Voilà, je vous invite tous à regagner vos places, sinon nous allons vous séquestrer jusqu'à pas d'heure. Donc nous tenons à garder un tout petit peu la maîtrise des pendules de cette deuxième après-midi, et donc qui clôture, j'espère, en beauté ce colloque. On continue sur les déchiffrements en cours, leurs perspectives et leurs limites, avec d'abord du côté de l'Égypte, Andreas Stauder, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, qui est également un des co-organisateurs de ce colloque avec nous, et qui, formé en Suisse à l'égyptologie, au copte, au sanskrit, aux langues et aux civilisations de Mésopotamie et à l'hébreu biblique, en plus de talents musicaux que certains d'entre vous connaissent peut-être, va nous parler aujourd'hui des premiers hiéroglyphes et des limites du déchiffrement quand l'écriture n'est pas encore l'écriture. Bonjour et merci pour l'introduction. On va commencer tout de suite. Voyez, la scène est la suivante. Nous sommes à Abydos, environ 150 km au nord de Louxor, plus précisément dans la nécropole prédynastique d'Oumelkaab, plus précisément encore dans la tombe Uji, chronologiquement l'époque dite Nagada 3A, ce qui correspond à environ 3250 avant notre ère. La tombe Uji est exceptionnelle à son époque, notamment par son architecture multicamérale développée, également par ses contenus encore très riches, quoique pillés, et en particulier parce qu'elle contient trois types d'artefacts porteurs de formes graphiques. Des scellements attachés à des conteneurs de vin précieux, des jarres qui contenaient probablement des graisses ou des huiles précieuses, enfin des étiquettes en os et en ivoire qui étaient attachées à des conteneurs peut-être de tissus précieux. Aurions-nous donc, comme on le lit très souvent ici, la plus ancienne écriture égyptienne ? Et par conséquent, la frontière ultime du déchiffrement en égyptologie. Peut-être pas. Alors, autant commencer par regarder le répertoire graphique à Uji, une cinquantaine de signes environ, et on observe tout de suite très peu de signes à référent humain, et pas de décomposition graphique du corps animal ou humain, ce qui est très différent des hiéroglyphes plus tardifs, où le corps humain et animal fait l'objet d'une décomposition en tête, les membres, les bras, les jambes, etc. Par exemple, ici, vous avez la tête d'un bouquetin nubien, d'un ibex, peut-être d'un mouflon. Si nous comparons ça avec cet objet en ivoire contemporain, eh bien, nous voyons la même tête comme trophée sur un bâtiment de prestige. Nous avons donc non pas l'animal décomposé, sectionné graphiquement, mais le trophée de chasse. La chasse est extrêmement importante à l'époque comme activité de l'élite. Eh bien, ce trophée représenté en entier. Toujours par rapport à ce répertoire graphique à Uji, nous avons donc beaucoup d'animaux entiers, des animaux généralement dangereux, majestueux, chargés de symbolisme, et des signes qui sont profondément enchâssés dans la culture visuelle contemporaine, des signes qui sont autant de formes prestigieuses, ce qui explique d'ailleurs pourquoi on ne peut pas les découper. Par exemple, ici, un faucon sur ce qui, à première vue, est peut-être un croissant ou une barque, mais là, nous commettrions déjà un anachronisme par rapport à l'écriture hiéroglyphique plus tardive, car en effet, par exemple, ce vase du musée du Louvre montre que l'objet que tient le faucon est une arme de jet. Le même signe ou emblème sur ce vase calcaire fameux de Hieraconpolis, où il surmonte un scorpion, lequel scorpion, en retour, est lui-même présent parmi les étiquettes du J. Et qu'est-ce que ces deux animaux ont en commun ? Eh bien, ce sont des animaux qui frappent d'un coup rapide, d'un coup instantané, d'un coup que vous ne voyez pas venir, un coup potentiellement imparable et fatal. Le premier, en haut dans le ciel, le second, en bas dans la terre. Toujours notre faucon avec son arme de jet, nous le retrouvons sur ce sceau un peu plus tardif, où il est associé à cette forme végétale, que nous ne comprenons pas, mais qui est elle-même présente à Uji. Donc tout ceci est cohérent. D'autant plus cohérent que cette forme végétale énigmatique se trouve également sur les vases du J associés au scorpion que nous avions déjà vu par ailleurs. Et le faucon avec son arme de jet se trouve parmi les emblèmes qui capturent les ennemis pour le roi sur la tête de massue du roi scorpion, où l'on a également ce signe qui sera plus tard l'emblème du dieu Mine, peut-être déjà à cette époque, que l'on retrouve également sur le sceau, que l'on retrouve également
à UJ. Or, cet emblème de mine, il a été proposé récemment que ce serait de la fulgurite, c'est-à-dire du sable dans des airs vitrifiés par l'impact de la foudre. Et il se trouve que la foudre, nous l'avons à UJ, ici, le signe de la foudre. Et si nous y regardons de plus près, vous voyez qu'il y a une ligne de sol, c'est-à-dire qu'il y a littéralement la représentation de l'impact de la foudre. Et le signe est en réalité plus riche encore, car à y regarder encore à plus près, cette foudre qui frappe le sol, crée de la fulgurite, est en même temps, incorpore un serpent dressé. Vous voyez le renflement de la tête. Voilà, donc là nous avons, pour résumer, un petit résumé intermédiaire, toute une série de signes qui représentent toutes ces forces qui frappent d'un coup rapide, instantané, imparable et fatal. La foudre, en ce sens, est homologue du faucon avec son vol en piqué, où il peut atteindre jusqu'à 200-300 km/h. Alors un autre exemple, l'éléphant sur les collines, sur le Gebel. Première remarque, nous avons beaucoup de signes d'éléphants à UJ, en général. Deuxième remarque, à l'époque contemporaine, nous avons l'éléphant sur les collines, mais également le taureau sauvage et d'autres animaux sauvages sur les collines. Donc il y a toute une classe de signes, animaux puissants et sauvages, sur collines. Si on retourne 200 ans en arrière, nous avons ce cimetière à présent fameux à Hierakonpolis, avec des aurochs, donc des taureaux sauvages, et des éléphants qui ont été enterrés de manière rituelle, ce qui pointe vers des pratiques de capture, de maintien en vie, puis de mise à mort cérémonielle et d'enterrement d'animaux qui sont difficiles à maîtriser. Si, à l'inverse, nous allons 200 ans après UJ, au début de l'époque dynastique, nous avons par exemple ici une scène de chasse du taureau sauvage dans un rituel royal. Vous notez bien d'ailleurs, y compris jusqu'au détail, les collines, le Gebel sous le taureau royal qui se fait attraper au lasso par le roi. Et à l'époque contemporaine de UJ, nous avons de nouveau notre signe, ici deux fois, dont une fois sur un emblème, lui-même dans un bateau. Or, à l'époque à peine plus tardive, c'est exactement l'endroit où on trouvera le nom royal, d'où l'hypothèse de savoir qu'à cette époque, c'est peut-être en train de devenir un emblème royal. Toutes choses mises ensemble, nous avons un signe qui, d'une manière ou d'une autre, pointe vers une force de la nature sauvage, maîtrisée par l'homme, et toute la valeur réside dans le fait que cette maîtrise est extraordinairement difficile, et en ce sens, à partir d'un certain moment, qu'il faudrait préciser, approprié par un pouvoir en train de devenir royal. Bien, là j'ai parlé un peu des étiquettes, j'aimerais parler rapidement des jarres. Voilà deux exemples, à droite le scorpion, on en a déjà parlé en fait, et à gauche un bucrane, une tête de taureau avec une plume fichée dans le crâne. Eh bien ce second signe, nous le retrouvons notamment dans l'inscription rupestre du Djebel Chaouti dans le désert derrière Thèbes. Je fais une toute petite digression pour signaler que la multiplication des découvertes d'art rupestre dans les déserts ces 20 dernières années ont complètement changé la perspective qu'on peut avoir sur ces premières inscriptions, et vous verrez d'autres exemples dans ce qui suit. Voilà. Alors, dans cette inscription rupestre du Djebel Chaouti numéro 1, qui est une célébration du pouvoir royal, un triomphe rituel et militaire peut-être, on a un certain nombre d'autres signes qu'on trouve dans UJ, notamment le scorpion, vous avez des faucons, etc. Une autre inscription rupestre, celle de El-Khaoui, vers El-Kab, donc en face de Hierakonpolis, au sud de Luxor, présente à nouveau notre bucrane, dans un contexte où on peut l'interpréter comme le marqueur de l'appropriation d'un lieu. Alors que si je reviens en arrière, j'aurais dû le dire, vous voyez qu'ici, le bucrane, il est en relation avec un prisonnier, donc c'est une notion de pouvoir, de capture, contextuellement. Toujours sur les jarres, vous avez par exemple ce coquillage, lambis lambis, l'objet réel fait facilement 25-30 cm de long, c'est très impressionnant avec les pics, ça se trouve sur la mer Rouge. Et à Koptos, donc au débouché des routes qui conduisent à la mer Rouge, vous avez ces coquillages associés avec le symbole de mine qui dénote du lumineux, d'où l'hypothèse, disons raisonnable, que le coquillage soit associé également avec une force lumineuse. C'est une hypothèse qui trouve une confirmation indirecte, en réalité directe, mais non contemporaine, dans ce dépôt votif du Mars Agawasis, environ 1000 ans plus tard, où vous avez des centaines de ces lambis lambis. Bien, donc si on regarde les signes individuels, on a des icônes du pouvoir royal, on a des icônes de forces lumineuses, ce genre de choses. J'aimerais passer à présent sur la composition des signes
entre eux, quand vous avez deux, parfois même rarement trois signes sur une même tablette, parce que ce sont ces compositions, en effet, qui ont fait dire qu'on aurait à UJ de l'écriture, arguant du fait que quand on a ce genre de combinaison, de composition, eh bien, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle techniquement du syntagmatique, du paradigmatique, c'est-à-dire des propriétés linguistiques, donc là, on a de la langue, même si on n'arrive pas à la déchiffrer. Et je pense que là, le raisonnement est très fallacieux parce qu'on peut avoir des combinaisons selon un ordre iconographique, graphique, qui n'est pas nécessairement linguistique. Je vais illustrer ça rapidement. Alors ici, par exemple, vous avez un sanctuaire avec une peau d'éléphant et en dessous de celui-ci, un éléphant accroupi, dans une position d'ailleurs totalement non naturaliste. Eh bien, ces deux signes sont toujours associés entre eux dans UJ. Vous ne les trouvez pas séparément, isolément. Et d'une manière analogue, un peu plus tard, vous avez le même sanctuaire avec un félin devant. Donc là, il y a des bonnes chances qu'on a simplement le sanctuaire et son gardien, une composition iconographique, et nous avons bien deux formes graphiques discrètes, mais elles forment un ensemble, un emblème composite. Un cas différent, l'éléphant sur colline, on l'a vu comme emblème du pouvoir royal, de la domination des forces sauvages de la nature, associé avec un grand arbre. Alors l'arbre, on le trouve par ailleurs dans UJ, notamment avec le chacal debout, qui à cette époque ancienne, peu de temps après, est associé avec le pouvoir royal, donc ça a l'air à peu près cohérent. Et ça le devient d'autant plus si vous regardez ici l'inscription très récemment découverte du Wadi el-Malik, juste au nord d'Assouan, où vous avez de nouveau cet arbre, que je n'essaie pas d'identifier plus précisément, avec un scorpion. Voilà, le scorpion, on en a parlé, c'est cette force qui frappe, également associée avec le pouvoir royal à cette époque. Donc on a une composition d'emblèmes associés à la royauté, composition visuelle. Alors là, nous avons ces cigognes qui se combinent avec quatre signes différents. Donc ça a l'air d'être vraiment une combinatoire. Pour y voir plus clair, la première observation, c'est que la cigogne est un animal majestueux et perçu comme tel à l'époque, à la fin du 4e millénaire. Par exemple, dans ce manche de couteau, où la cigogne, eh bien, sur la rangée, vous avez la girafe, et la rangée inférieure, vous avez des lions et des éléphants. Ça vous donne à peu près une idée de où situer la cigogne dans l'imaginaire. Ça, c'est pour la cigogne. En ce qui concerne l'élément avec lequel la cigogne se combine, eh bien, nous avons le symbole de mine, qui est du numineux. À droite, vous avez le symbole dit de batte, un symbole taurin, qui est également du numineux. Et à gauche, vous avez une antilope qui est associée à Coptos et qui est très probablement également du numineux. Donc là, l'idée, c'est que probablement la cigogne, d'une manière qu'on ne saurait vraiment préciser, souligne le fait qu'on a une puissance lumineuse et que celle-ci est peut-être majestueuse, voilà, qu'elle se manifeste d'une certaine manière. L'ibis à crête au centre peut figurer isolément, peut figurer debout sur les collines, sur le guébel, comme l'éléphant que nous avons vu à gauche, ou alors à droite, même chose, mais avec en plus un serpent, probablement une vipère, qui est fichée dans ce guébel. Et sur l'inscription rupestre du Gebel Shaouti, de El Khaoui, que j'avais déjà montré, vous avez de nouveau l'ibis à crête et exactement au bon endroit, c'est-à-dire au centre d'une composition antithétique, donc mise en valeur par la disposition graphique, ou visuelle plutôt. À y regarder de plus près, dans l'inscription de El Khaoui, nous avons également le serpent comme à UJ. Bon, nous avons donc l'ibis à crête, le serpent, il manque une chose néanmoins, c'est les collines. Où sont-elles? On ne les voit pas à El Khaoui. En fait, elles sont sous nos yeux, très littéralement sous nos yeux, c'est le rocher lui-même. Le rocher lui-même, c'est-à-dire l'escarpement spectaculaire à cet endroit dominant la vallée et en même temps le point de contact entre deux espaces, l'espace du plateau désertique qui commence et l'espace de la vallée en contrebas. Dans ce cas-là, on continue, notre ibis est enterré par deux cigognes, est entouré par deux cigognes, dont on a vu que c'était la manifestation d'une puissance, probablement. Donc il y a une bonne hypothèse qui serait de dire que l'ibis soit également une certaine forme de puissance et qu'elle s'exerce dans un lieu liminal, ici justement cet escarpement. Alors pour donner un peu plus de substance à ça, vous voyez que l'ibis devant le serpent sur les collines est en fait en parallélisme à l'éclair, qui est très clairement une puissance qui frappe, on l'a vu, devant le serpent sur les collines. Voilà.
Donc, dans l'un et l'autre cas, on aurait la manifestation d'une puissance dans un espace liminal. Sans préciser ce point-là plus avant, ce que j'aimerais observer, ça c'est assez important, c'est que vous avez ici, entre les trois réalisations dans UJ et la quatrième à El Khaoui, quatre réalisations d'un même motif. L'ibis seul suffit pour exprimer ce qu'il y a à dire. Vous pouvez le dire de manière plus explicite en rajoutant le Gebel, encore plus explicite avec le serpent. Ou alors, dans le cas de l'inscription rupestre, point besoin d'avoir le Gebel, puisque le Gebel, c'est le rocher lui-même. En revanche, puisqu'il y a plus d'espace, simplement que sur ces petites étiquettes, eh bien, l'ibis peut être entouré des cigognes et l'ensemble augmenté du bukra. Bien. Alors ici, nous avons une combinaison qui, à première vue, est assez énigmatique. Un grand toison, un grand échassier, probablement une grue, au-dessus d'un éléphant. Que faire de cela ? Alors peut-être un point de départ ici, c'est de considérer que l'animal éléphant est très grand et que la grue est également très grande, et que l'un et l'autre sont les animaux les plus grands, les plus majestueux dans leurs espaces respectifs, à savoir aériens et terrestres. Et il y a une sorte de confirmation peut-être ici, dans ce manche de couteau d'Abu Zeidan, où vous observez que la première rangée d'une face a des éléphants qui dominent des serpents, tandis que la face opposée, également la première rangée, vous avez des vautours, c'est-à-dire un oiseau qui domine également des serpents. Donc ce genre de parallélisme, d'homologie contrastive entre éléphants et oiseaux, on le trouve par ailleurs. Ici, la palette aux canidés, objet magnifique du Louvre. Et vous avez ce motif récurrent à l'époque avec le palmier entouré de deux girafes antithétiques. Bien, les girafes et les palmiers, vous ne pouvez pas dans la vraie vie les trouver côte à côte parce qu'ils vivent dans des espaces distincts, la steppe, respectivement la vallée. Mais dans ces espaces respectifs distincts, ce sont l'un et l'autre les êtres vivants les plus hauts. Et il y a encore un autre élément de contraste, c'est que la girafe est non domesticable, tandis que le palmier non seulement est domestiqué, mais a besoin de l'homme pour pouvoir se reproduire. Alors, la proposition, c'est que pour notre étiquette du J, on aurait une espèce d'homologie de complémentaire analogue entre des espaces complémentaires, terrestres et aériens, et une homologie à travers ces espaces, à savoir respectivement les animaux les plus majestueux dans chaque espace, l'éléphant et la grue. Plus, trois petits points, toute une série d'autres niveaux de signification que nous ne comprenons pas, mais dont il faut admettre qu'ils sont très probablement présents. Par rapport à cette homologie de complémentaire, on peut revenir à notre vase calcaire de Hieraconpolis, où il y avait donc le faucon avec l'arme de jet et le scorpion, l'un et l'autre frappant d'un coup imparable, le premier depuis tout en haut dans le ciel, le second depuis sous vos pieds. Alors pour aller un peu plus loin dans l'interprétation, il faut peut-être décoller le nez du guidon, ou en l'occurrence des étiquettes, et dire deux mots, des contextes même rapidement. L'époque Nagada 3A, environ 3250 avant notre ère, est une époque de transformation extrêmement rapide à tous les niveaux, en particulier socio-économique et politique. Je n'insiste pas là-dessus. C'est également une époque d'élaboration des signes d'une culture visuelle de plus en plus riche, complexe et par conséquent exclusive, restrictive, restreinte. C'est l'époque d'un travail croissant de surface dure, de l'os, de l'ivoire, nous avons eu des illustrations, dans des techniques soustractives qui sont restreintes et prestigieuses. C'est enfin, et ça c'est aussi une chose que les nouvelles découvertes d'inscriptions rupestres ont rendu extrêmement claires ces 20 dernières années, c'est une époque où l'on expérimente toute une nouvelle manière d'afficher le pouvoir, un pouvoir qui est en train de devenir de plus en plus royal. Toujours à propos des contextes, mais spécifiquement à UJ, que faut-il s'imaginer ? Eh bien, des occasions collectives. Il y a d'abord les funérailles du roi, qui sont limitées dans le temps et dans l'espace, mais qui se prolongent dans le temps et l'espace par la mémoire de ceux qui étaient présents et qui en parlent à ceux qui étaient absents. Il y a également la visibilité des objets marqués par les formes graphiques avant les funérailles. Il y a enfin la fabrication des signes, pour lesquels il existe des indices, que je ne peux pas développer aujourd'hui, mais que ces signes auraient été fabriqués sur place, dans le contexte d'une action collective, potentiellement ritualisée. Enfin, si on regarde les artefacts eux-mêmes, je continue mon zoom, eh bien le maître mot ici, c'est la somptuosité, dans le plein sens de dépenses, de richesses
également anthropologique de brûler la richesse, hein, en jouant sur l'étymologie latine, eh bien nous avons des inscriptions, des formes graphiques qui marquent des denrées exclusives. Les signes eux-mêmes sont rares et complexes à l'époque, ils sont prestigieux, donc ils sont eux-mêmes une forme de richesse. Enfin, nous avons dans la tombe Ugé un assemblage extraordinaire de ces signes. Et là, je le dis de manière très littérale, car en effet, ces signes, on les retrouve pratiquement tous par ailleurs dans la culture visuelle contemporaine, isolés ou par petites grappes sur divers sites. Eh bien, tous ces signes se retrouvent en un seul endroit seulement, c'est Ugé, comme si Ugé était un immense entonnoir qui aspirait toutes ces formes graphiques. Voilà, donc une partie de la valeur et de la signification d'Ugé réside dans l'assemblage lui-même de ces signes, qui est un indice de richesse toute particulière. Qu'est-ce que nous avons donc à Ugé? D'une part, une pratique de marquer des denrées précieuses, luxueuse par un univers visuel qui est lui-même un signe ou un indice de sa propre exclusivité. Donc la valeur des signes réside notamment dans le fait qu'ils sont eux-mêmes exclusifs. Voilà, la rareté fait la cherté, si vous voulez. Deuxièmement, une expression est donnée de ce qu'est la royauté à cette époque, et là je cite Stephen Houston que nous avons entendu tout à l'heure, tout de suite dans la traduction française, « Écrire ou marquer, c'est affirmer des valeurs et chercher à les faire accepter. Une durabilité concrète renforce l'essai. » Et enfin, nous avons peut-être un assemblage unique, peut-être même une expérience qui n'aura pas été répétée. Voilà, ça je ne peux pas l'argumenter, je le mets simplement sur la table. En fait, je peux l'argumenter, mais je n'ai pas le temps. En conclusion, nous avons une fenêtre, non pas sur l'État, mais sur la royauté en constitution, et si vous y pensez bien, ce n'est pas du tout la même chose. Et nous avons non pas une écriture, comme on le dit toujours, mais un assemblage d'emblèmes non linguistiques. Ce qui pose la question de quel déchiffrement peut s'appliquer à Ugé, sachant que le déchiffrement, et nous l'avons bien entendu depuis deux jours, est par définition un déchiffrement linguistique, c'est-à-dire un déchiffrement qui s'applique à un objet de nature linguistique. Si l'objet que nous cherchons, entre guillemets, à décoder n'est pas de nature linguistique, le concept même de déchiffrement tombe. Voilà, c'est ça la situation. Vous pouvez déchiffrer la pierre de Rosette, peut-être qu'il faut 20 ans, peut-être qu'il faut les travaux collaboratifs de 10 savants et d'un savant plus obstiné et plus génial que les autres, mais Ugé, au sens linguistique du terme, ce n'est pas qu'on n'a pas essayé, ce n'est pas que nous sommes trop faibles, il n'y a rien à déchiffrer. Et là, peut-être le mot de la fin, ce serait pour moi de dire que plutôt que de continuer, comme on l'a fait beaucoup pendant ces 20 dernières années, d'essayer de coucher les inscriptions de Ugé dans le lit de Procruste, d'une écriture hiéroglyphique qui à cette époque n'existe pas encore, plutôt que, en d'autres termes, de continuer à commettre un anachronisme majeur, notre meilleure chance d'essayer de progresser dans la compréhension de ce matériel, quelle que soit la nature de cette compréhension, eh bien, c'est de le resituer, de le recontextualiser dans l'horizon synchronique des pratiques graphiques et de la culture visuelle contemporaine. Et ce faisant, de prendre véritablement la pleine mesure de l'étrangeté de ce qui s'offre à nous. Voilà, merci.